Je fais juste une petite pub pour ma deuxième chaîne, donc ma chaîne secondaire qui s'appelle NVSW Tour. Donc je fais des vidéos en anglais, donc là j'ai fait une vidéo récemment 10 things I wish I knew before I started ranked PvP. Et du coup si ça vous intéresse le sujet, bah la vidéo est dans la description. Donc sûrement pour mes prochaines vidéos je ferai des sous-titres en français. Et du coup voilà. Et bien bonjour à tous, c'est Envivius et aujourd'hui on va faire un petit résumé du live stream qui s'est déroulé hier. Concernant la 7ème mise à jour majeure de Star Wars The Old Republic pour les 10 ans. Donc le live stream a commencé par une interview de l'actrice, enfin plutôt de la doubleuse de Toider, voilà, dans SWTOR. Donc j'ai pas grand chose à dire sur ce truc. On va avoir un nouveau code qui va marcher jusqu'au 5 décembre, qui va s'appeler Lots of Tau, L-O-T-S OFTAU, et qui permet d'avoir une nouvelle décoration dans le jeu. Et donc vous avez jusqu'au 5 décembre pour mettre ce code. Voilà, ça fait toujours une déco gratos, c'est toujours ça en plus. Donc ensuite on a eu des infos concernant les personnages qui vont arriver. On a eu des infos aussi concernant la nouvelle opération. Donc la nouvelle opération qui est Anomaly R4 et qui a vraiment des designs très très stylés. Donc voilà, je vous mets un petit screen à l'écran. Pour moi, elle me fait quand même pas mal penser à Oricon. Donc on a vraiment l'impression que c'est une espèce de forteresse site assez bresson. Et ça m'a l'air vraiment plutôt stylé. Si vous voulez avoir des infos sur les personnages, voilà, Darth Rivix, Lana Benico, Malgus, etc. Je vous renvoie au live stream. Donc on a eu aussi un petit aperçu de nouveaux écrans de chargement qu'on va avoir en 7.0. Donc comme vous le voyez à l'écran, voilà le design, j'ai l'impression qu'il a un peu changé. C'est à dire que en 6.0 on avait un écran de chargement avec des personnages qui étaient un peu plus ressemblants à leur design en jeu. Là j'ai l'impression qu'on part sur quelque chose d'un peu plus artistique, peut-être cartoonesque. Donc comme on le voit, il y a Darth Malgus qui a un nouveau masque, on est une espèce de dualité bleu-rouge. Donc le bleu, j'ai l'impression que c'est pour Manan, et le rouge c'est plus pour le côté forteresse Sith de Malgus. Donc je précise également que la nouvelle forteresse Sith, voilà, elle devrait se passer sur un astéroïde, je crois, dans l'espace. Et du coup c'est pour ça que je dis justement que le côté rouge, ce sera pour la nouvelle opération, voilà, à droite. Ensuite on a eu une espèce de nouvelle cinématique. Donc pour moi c'est pas une nouvelle cinématique parce que c'est faire du neuf avec du vieux. Donc on s'attendait tous à avoir une nouvelle cinématique pour les 10 ans, voilà, un truc trop stylé, un peu en mode espoir, ou les cinématiques du jeu qui étaient beaucoup trop classe, ou même pour la 4.0, voilà, pour KOTFE et pour Knight of the Eternal Throne. Et là on n'a rien eu. Donc on a eu un espèce de 10 year celebration montage. Et du coup voilà, on a un seul nouveau plan qui est neuf. Donc c'est bizarre, je crois que c'est avec la Twi'lek bleue. Donc voilà, je vous le mets à l'écran, donc on voit... on a un gros plan sur ses yeux. Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir une nouvelle cinématique? Moi j'aimerais beaucoup. Mais ce qui me dérange en fait, c'est que dans ce live stream, déjà ils ont aussi annoncé la date de la sortie de l'extension, le 14 décembre 2021. Donc pour moi, premier problème, c'est beaucoup trop tôt. Donc pourquoi? Là on est actuellement le 19 novembre quand je tourne cette vidéo. Et le PTS n'est toujours pas fonctionnel, il y a toujours plein de problèmes. Donc la dernière fois j'ai fait un peu des BG sur le PTS avec d'autres joueurs PVP. Et en fait, il y avait plein de trucs qui étaient buggés, il n'y a rien qui est prêt, le stuff on sait même pas s'il va marcher. Les styles de combat, ouais bon c'est à peu près fonctionnel. Quand on finit une arène, on voit même pas les dégâts qu'on a fait ou les heals, on voit même pas les stats. Donc c'est un petit peu n'importe quoi. Pour moi, il devrait lancer l'extension après Noël, pour que ce soit beaucoup plus fonctionnel et qu'on ait moins de bugs. Parce que moi je sens que le 14 décembre, les serveurs vont être saturés, il va y avoir un max de bugs, ce sera à peine jouable, et pour moi c'est vraiment lancer trop tôt l'extension. Ensuite, la nouvelle extension, ça veut aussi dire la fin de la saison PVP, donc la fin de la saison 14. Est-ce qu'on va avoir nos rewards? Je sais pas, parce que concrètement, il n'y a toujours pas eu de post ou de communication sur la saison 14 de PVP, alors qu'on est à moins de 1 mois de la sortie. Donc on n'a toujours pas les tiers, le silver il va sûrement être à 1300, mais on n'en est même pas sûr. Est-ce que le gold sera à 1500? Enfin, il n'y a pas eu de communication là-dessus. Ils ont ban aucun WinTrader cette saison, donc personnellement j'ai envoyé des mails à PVP Reports pour ban certains WinTrader, et c'est même pas passé. Donc bon voilà, ils ne font rien,
et moi ça me trigger un petit peu de savoir qu'ils sortent l'extension trop tôt, une extension qui va être sûrement pas finie, qui va être complètement buggée, ils te sortent même pas de cinématique. Donc j'espère franchement que l'histoire de Manan et que la nouvelle opération qui sort fin janvier va être cool, sinon moi je serais très déçu par cette extension. Donc franchement, s'ils nous avaient dit au lieu du 14 décembre, le 29 décembre, j'aurais été beaucoup plus rassuré pour cette extension. Mais comme je vous dis, pour moi c'est trop tôt. Donc voilà, c'était Envievius, j'espère que cette vidéo un petit peu récap vous aura plu. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.